Cette année, nous avons un double événement. D'une part, la présentation d'une exposition temporaire qui présente un vrai squelette de lion des cavernes, avec l'état de la recherche actuelle sur ce spécimen, ce que l'on sait de lui, d'un point de vue de la paléontologie, sa représentation artistique dans nos populations préhistoriques et notamment sa place dans l'art aurignacien. Donc ça, c'est vraiment l'exposition du musée avec des pièces archéologiques. Et puis, on aura, à partir du mois de juin, un événement également qui mettra en valeur le lion des cavernes, mais là, d'un point de vue complètement différent, avec la création d'un artiste. Quand vous êtes statique, en fait, quand vous ne bougez pas et quand vous ne pouvez pas avoir de mouvement, les rapports au temps peuvent être plus compliqués parce que du coup, votre journée, vous la construisez par rapport au déplacement que vous avez. En fait. Vous dites, ah ouais, à tel moment, j'étais là, j'ai fait ça. Donc du coup, ça construit votre rapport à votre journée. Là, comme vous ne bougez pas, votre rapport à la journée, il faut le construire différemment. Et c'est ça aussi qui est assez beau, ça vous demande une attention complète, à la fois du lâcher prise et en même temps une attention tout le temps renouvelée. Je la trouve très bien faite, hein. Très bien faite, hein. Et notamment moi, je suis enseignante, donc pour les enfants je trouve que c'est très abordable. Cette expo se permet de voir un peu la ce qu'il était, et notamment la différence qu'il pouvait y avoir avec le lion que l'on connaît aujourd'hui, mais qui n'avait forcément, à ce moment-là, rien à voir.